Bonjour, ici Nat, la pocheuse de shampoing Manat. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme c'est le temps des fêtes, comme c'est le temps de faire des petits cadeaux, des petites choses, j'avais le goût de partager avec vous mes chouchous Manat. Il y a plein de produits Manat. Il y a des nouveaux produits que j'ai même pas essayés, comme le collagène, les crèmes pour le corps que j'ai pas essayé encore. Mais j'avais le goût de vous parler vraiment de mes chouchous. Vous le savez que moi, je vais vous dire vraiment ce que j'aime moins, parce qu'on n'aime pas tout, peu importe. Donc, on y va. Fait qu'alors, c'est le moment, si vous ne savez pas quel cadeau offrir, maman, belle-maman, amis, cadeau de quand vous êtes reçu, c'est le moment. Voilà. Et pour vous, évidemment, c'est vraiment important. Donc, voilà, je vous parle vraiment de mes chouchous. Alors, on y va. On y va avec les shampoings. Deux shampoings chouchous. Le mien, l'incontournable, renouvelant. Donc, le Renew pour l'hydratation des cheveux. Donc, généralement, ceux qui ont les cheveux très secs ou les cheveux bouclés, comme c'est mon cas, comme mon garçon Thomas, le Renew, c'est le meilleur. Moi, je capote, je l'utilise tout le temps. Aussi, le meilleur vendeur que je pourrais dire de Monat, c'est le shampoing Black. Le Black est beaucoup pour les hommes et beaucoup pour les enfants. Pourquoi? Parce que dans le Black, il y a un shampoing et un après-shampoing à l'intérieur. Ce que j'aime du Black, c'est qu'il y a un effet menthe à l'intérieur. Mais un effet menthe. Il n'y a pas juste l'odeur, là. Il y a un effet. Vous vous lavez les cheveux. Vous sentez dans votre cuir chevelu l'effet menthe qui travaille. C'est tellement agréable. Tellement agréable. Donc, le Black, généralement, là, c'est pour tout type de cheveux. Moi, je l'utilise aussi. Une fois de temps en temps, quand j'ai le goût d'un petit massage capillaire, je l'utilise. Donc, le Black de Monat, le Renew, c'est mes deux coups de cœur. Mais il y en a plein d'autres, là. Il y a le Intense Repair, il y a Volumisant, il y en a plein, là. Mais ça, c'est mes coups de cœur. Ensuite, évidemment, je ne pouvais pas passer sans vous parler du Rejuvabeads. Rejuvabeads, c'est vraiment un push-push qu'on met sur les pointes de cheveux. Donc, c'est vraiment pour les pointes fourchues. Fait que ça aide vraiment aux cheveux à ne pas casser. Fait que des fois, ça évite d'aller chez la coiffeuse une fois. C'est quand même bien. Donc, ça, c'est mon coup de cœur aussi. Donc, trois pushes dans la pointe des cheveux. On attend une minute. Puis après ça, on continue. Alors, voilà. Ensuite, j'ai évidemment, mon masque. Lui, c'est le super hydratant, le ultra hydratant. Celui-là, c'est le mien. C'est mon préféré. Il y en a 4, 5. Vous pouvez les essayer. Mais lui, c'est le mien. Il est ultra, ultra hydratant, il dit. Donc, on le garde 10 minutes, puis après ça, je rince mes cheveux. Je l'adore. Tout simplement, voilà. Et, trois autres produits, c'est l'après-shampoing restaurateur sans rinçage. Donc, le revitalisant sans rinçage. Il est génial. C'est en push aussi, comme le Rejuvabeads. Lui, il est pratique. Partout. Il est pratique avec les enfants parce qu'on n'a pas besoin de rincer les cheveux. Donc, il est pratique. On peut le mettre aussi sur les cheveux une fois qu'ils sont sèches. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez lavé vos cheveux deux jours après, vous sentez que vos cheveux sont un peu plus secs. Un petit peu, on frotte dans les mains, on les met. Ça va venir réhydrater le cheveu un petit peu, évidemment. Et ça va venir donner une petite brillance aussi. Donc, pas à négliger. Il est pas cher en plus de ça. Donc, moi, là, vraiment, partout. Partout, à tout le monde, tout type de cheveux. Si vous vous avez pas le temps de mettre beaucoup de produits, de prendre beaucoup de produits dans vos cheveux, je vous recommande le Black et le après-shampoing. Moi, je vous le recommande. Sincèrement, pour les enfants, pour moi, je vous recommande ces deux-là. Ou évidemment, le Renew dans mon cas, parce que c'est celui que je porte. Mais n'importe quel shampoing Monat, plus
Ça, je vous recommande donc, si vous voulez privilégier des produits, allez-y avec un shampoing et sans rinçage. Voilà. Ensuite, mon chouchou, mon coup de cœur, je l'ai dit à plusieurs reprises, allez réécouter mes vidéos, vous allez le voir. C'est le spray fixateur de couleur. Je vous le jure, ça fonctionne. Si vous écoutez mes autres vidéos par la suite, au même titre, allez vous abonner, vous allez voir toutes mes vidéos, vous allez voir mes notifications. Moi, j'avais pas beaucoup d'attentes. Quand je l'ai essayé, je me suis dit, je suis pas sûre que ça fonctionne. Ben, sincèrement, au lieu d'après 3 semaines de coloration, que j'ai commencé à voir une petite couleur, une petite différence, ça l'a pris 8 semaines. Donc, 5 semaines de plus. Je vous le dis, là. Vous le savez. Si j'aime pas un produit, je vais vous le dire. Si ça me convient pas, parce que c'est pas tous les produits qui conviennent à tout le monde. Comme les shampoings. C'est pas tous les shampoings qui conviennent à tout type de cheveux. La peau, c'est la même chose. Donc, s'il y a un produit que j'aime plus ou moins, je vais vous le dire aussi. Ça, il n'y a pas de trouble avec ça. Vous vous inquiétez même pas. Mais celui-là, je peux plus m'en passer. Je peux plus. Ça, là, dans le fond, c'est simple ce qu'on fait. C'est qu'une fois qu'on a lavé nos cheveux, c'est un push-push aussi. Donc, on spray tout simplement, puis on masse. Je vous le dis, je vous le dis. Ah, en passant, et un truc, en passant. Quand on se fait une coloration, moi, je les achète en boîte à la pharmacie, là. Faudrait que j'aille des fois chez la coiffeuse, mais moi, vous voyez là, les boîtes en pharmacie. Donc, une fois que j'ai mis la teinture, j'ai rincé la teinture, je ne mets pas le petit après-shampoing qu'eux ont là. Je mets mon masque, tout simplement. Je mets le masque, j'attends 10 minutes, je rince. Vous devriez voir comment mes cheveux sont doux. Tu sais, la teinture, généralement, ça sèche un peu, mais avec ce masque-là. Donc, en plus, là, tu sais, évidemment, on sait que la teinture, on magane un peu les cheveux. Mais en plus de ne pas mettre d'après-shampoing toxique, plein de parabènes, plein de cossins, je mets des vitamines dans mes cheveux. Je vous le dis. Et après ça, je suis capable de ne pas laver mes cheveux pendant 6 jours. Ouais. Chaque cheveu est différent, évidemment. Mais les miens réagissent très bien. Donc, je ne mets plus l'après-shampoing. Je fais ma teinture, je rince par la suite. Je mets mon masque que je garde 10 minutes et je rince. Puis par la suite, je continue avec mes produits. C'est pas beautiful, ça? Donc, voilà. Et évidemment, celui-là par la suite pour garder le plus longtemps la teinture dans la tête. Et mon dernier chouchou pour les cheveux. Mon dernier, mais lui, gros coup de cœur. Crème définissante pour boucles. Vous ne le voyez pas à cause de la lumière. Ouah! Crème définissante pour boucles. Qui sent malade. Vous en mettez à peine un petit 10 sous dans votre main. Vous frottez. Moi, je me fous les cheveux en arrière. La tête en bas. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. La tête en bas. Et on vient tout simplement. Voilà. Et c'est tout. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est mon chouchou. Les gens aux cheveux bouclés. Vous voulez des belles boucles définies? Alors, la crème définissante pour boucles, tout simplement. Ça, c'est mes produits chouchou pour les cheveux. Il y en a une panoplie pour tout type de cheveux, pour tout ce que vous avez besoin, intense repère, si vous avez besoin de volumiser vos cheveux, des traitements capillaires si vous perdez un peu plus vos cheveux. Évidemment que Monat ne fait pas repousser des cheveux inexistants. Mais ce que ça vient faire, le traitement capillaire, c'est que ça va venir aider les follicules qui sont dans le cuir chevelu. Ça va les aider à pousser plus fort et à rester là. Donc, c'est vraiment des bons produits. Maintenant, je suis rendue au visage. Je vous montre mes produits. J'ai le Monat Bigento. Ça, c'est le nettoyant. Pour le visage, Monat fait 3 types de produits. Donc, le
Bigentol, qui est pour les peaux plus vieilles, comme moi, donc 40 ans plus. Il en fait un aussi pour les peaux plus jeunes, là, vingtaine d'années, là, quand on commence, et un pour les peaux à tendance très grasse. Donc, comme toujours, si vous avez besoin d'infos, vous avez besoin, oui, c'est ça, d'informations, vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en commentaire. Vous pouvez m'écrire en privé. J'ai ma page Facebook aussi qui est Nat la pocheuse de shampoing. Donc, vous pouvez aller m'écrire, vous pouvez aller voir. Souvent, sur ma page Facebook, je mets toutes les aubaines, toutes les produits à rabais, toutes les nouveautés. Donc, allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Sinon, il y a ma page, mon site internet qui est natlapocheusdeshampoing.mymonat.com. Allez voir ça. Sinon, inscrivez-vous, abonnez-vous. Donc, celui-là pour les vieilles peaux comme moi, qui est vraiment très doux, que je sens vraiment que mon visage est très bien nettoyé. Moi, j'ai un visage très, très, très difficile. J'ai un visage rouge. J'ai des teints de roux dans ma famille. Donc, j'ai un visage qui fait de la rosacée. C'est très difficile pour moi. Vous voyez, j'ai toujours une petite teinte rouge là. C'est très difficile pour moi, les produits. Et celui-là est un de mes chouchous pour la peau. Il est très doux. On sent vraiment que le visage est bien nettoyé. Deuxième produit qui est rafraîchissant. Donc, le traitement à finir à l'eau, en fait, ça, c'est vraiment. C'est comme de l'eau. Vous mettez vraiment, je vais même vous le montrer là. Vous en mettez juste pour dire. Et vous venez juste estomper votre visage. Je vous le dis, le bien fou que ça fait l'été quand vous avez chaud. Juste venir mettre une petite touche de rafraîchissant dans votre visage. Donc, généralement, on lave sa peau et on met ça tout de suite après. Ça vient resserrer les pores dans le visage. Ça fait du bien. J'ai pas de mots. Donc, allez le chercher. C'est coup de cœur. Vraiment, moi, je le mets même des fois l'été. Comme je vous dis, il fait chaud. On a eu chaud, on est allé à la plage. On a passé la journée dehors. Je le garde dans ma sacoche. Puis, oups, un petit. Et ça vient rafraîchir le visage, ça fait vraiment du bien. Ensuite, mon petit coup de cœur aussi, c'est pour les yeux. Donc, c'est un petit pot. Imaginez-vous, là, ça fait sincèrement un an que je l'ai. On en met vraiment juste pour dire. OK? Vraiment autour de l'œil. Et ça, c'est le produit magique qui vient avec. C'est une petite boule qui tourne et on vient juste tourner alentour de notre œil. Si vous saviez comment ça fait du bien. Parce que la petite boule, elle reste toujours fraîche. Donc, ça fait du bien. Ça vient aider aussi à faire de la circulation en dessous. Donc, ça enlève un peu les poches. En vieillissant, quand on est fatigué, on fait plus de poches. Donc, ça vient aussi aider à diminuer les poches. Alors, il me reste un dernier qui n'est pas pour le visage, qui est un nouveau produit que j'ai essayé, que j'ai acheté parce que mon mari a souvent de la difficulté à dormir, comme beaucoup de gens. Alors, je vous le dis, ça fonctionne. Ça aussi, j'étais pas sûre. Eh bien, ça fonctionne. C'est des gouttes pour le sommeil. Donc, voilà. C'est vraiment, on les prend. Puis ça, j'essaie de trouver un mot pour vous expliquer ce que ça fait. Ça calme le corps. Tu sais, souvent, on a un petit hamster qui tourne. Ben ça calme le corps. C'est vraiment des petites gouttes. Tchoup. Deux petites gouttes dans la bouche. Moi, je mets deux petites gouttes seulement.
deux petites gouttes dans la bouche. Et sincèrement, je peux vous dire, ça me prend 5 minutes. Puis je ressens vraiment les effets calmants, puis je m'endors bien. Puis je me réveille pas le matin toute maganée. Moi, j'ai jamais pris rien pour dormir. Donc, je sais que souvent, la mélatonine, ces choses-là, on avait de la misère parce que le matin, on se réveille un peu poqué. Aucun effet secondaire à ça. Et c'est bon, ça goûte un peu la cerise, je trouve. Moi, j'adore en tout cas. Alors voilà, c'était mes coups de cœur Manatte. Comme je vous dis, il y a plein d'autres produits. Allez sur ma page, allez vous abonner, vous allez voir mes autres vidéos. J'essaie toujours de vous montrer les produits que j'utilise, que j'aime, que j'essaye. Donc, voilà. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente journée, un joyeux temps des fêtes, rempli d'amour. Rempli de joie. Faites attention à vous et surtout, reposez-vous. Je pense que depuis la pandémie, c'est le mot à utiliser. Reposez-vous. Alors, voilà. Sur ce, bye!